Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous revoici sur Kingdom Two Crowns, la nuit tombée, et sans un sou dans ma poche. Alors c'est un problème. Bon, le but, voilà, on se barrait, hein, c'était ça. Hein. On se cassait d'ici. On l'a bien vu, cette île, quoi. On va la revoir un moment, mais espérons. Bon, il me faut du fric, là. Comme vous pouvez voir, ma bourse remplie de cristaux, mais pas une piécette, quoi. Les mecs. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ce problème ici. Comment ça se passe? Ça va. Il galère un peu, mais le mur est résistant. Tant qu'on n'a pas des trop grosses vagues, tout va bien quoi. En revanche, l'argent quoi. La thune, le fric, le flouze. Bon, bah, on est là. Allez, on va à gauche. Je voulais aller à droite, mais on va aller à gauche. Je vais aller au fond, hein, au fond du fond. Déjà pour voir si j'ai pas laissé des cristaux, me souvenir justement, me dire bon on en a laissé c'est bon. En gros je voudrais laisser au moins un coffre de cristaux. Parce que je me dis sur la dernière île il en faudra un peu quand même. Allez viens toi. Il est en plein milieu, on sait pas pourquoi. Et toi aussi. Et bon, et bien sûr, hein, me rappeler où est le ponton, où est la muraille. Mais justement, je pensais que le ponton était à droite. C'est pour ça que je voulais aller à droite et j'avais raison. Là, on a le portail final. Allez, c'est reparti. On se rebalade. Cette belle forêt. Magnifique. Ouais, il y en a encore un, je t'avais pas vu toi. Allez, prends ta pièce, on va voir si tu vas survivre. Ou pas d'ailleurs. Mais non, mais pourquoi je recrute d'ailleurs, moi je suis un con. Bon, y a des arcs à la maison, pourquoi pas. Allez, mange un truc, parce que là, on voit que t'es essoufflé. Bon, à gauche, on n'a pas laissé de cristaux. On a pris le dernier coffre sans faire exprès aussi. C'est pas mal ce que tu fais, toi. Tu m'as rien donné cette nuit, mais d'un coup là, t'es blindé. Oh, on a encore de la place dans cette bourse. Foutez-vous pas de ma gueule, j'ai rien pris là, j'ai 10 pièces sur moi. Voilà, ça tombe au fond quand même. Y a moyen. On n'a pas de... J'ai pas créé de portail. On n'a pas défoncé de portail démonique en même temps. J'ai pas fait ça. J'ai pas osé. Bon, y a du fric à la maison, déjà c'est une bonne nouvelle. Le bateau quoi maintenant. Ah, zut. Zut la piécette. Oh, ils vont me donner du fric là et là j'ai pas la place. Ici y a moyen, vous avez vu hein. Stocké au-dessus là, mais les prochaines au fond, parfait. Il y a encore de la place au fond. Hein. Il y a une petite fente là. On voit encore les couleurs des cristaux. Ça veut dire que il y a moyen de remplir la bourse, logiquement. Ah, pas beaucoup, hein, mais un peu quoi. Putain, si j'avais su, je leur aurais fait travailler là parce qu'ils ont pas bossé. Je recule un peu parce que je me dis, ils vont tous arriver. Ils auront peut-être un peu de fric pour moi. Tout va voler à la flotte. Et là, on veut construire le bateau. C'est bien beau. C'est encore l'été, hein, donc ça va. On va arriver pour une bonne période pour la prochaine île, je pense. De toute façon, on va la plier en deux, hein, l'île suivante. Il faut être conscient de ça. Hein. Parce que c'est la première île où on va aller. La première île, on va avoir les murs fortifiés. On va avoir les archers fortifiés aussi. Et on a deux portails de chaque côté, je crois, la petite île. Donc. Allez, allez Jean-Louis, on te regarde. Pas mal Jean-Louis ce que tu fais. On n'a pas vu là, on n'ose pas s'avancer. Oh les archers là-haut. À la bourre les mecs. C'est fini déjà la vague là. Voilà, ils arrivent, c'est fini. C'est n'importe quoi. Eh, faites-moi ça, la vague est finie.
plus, ça suffira jamais, hein, ce que j'ai dans la bourse pour faire le bateau. Encore quelques pièces, s'il vous plaît. Ouais, j'allais dire, putain, mais j'espérais beaucoup plus, quoi. Bon, un peu quand même, c'est pas mal, s'il y a une pièce, là. Ah, mais ça suffit pas, les mecs, là. Ramenez-moi du fric, quoi. J'ai envie de prendre du fric dans la maison du centre. Pour me dire, allez, on y va, qu'on se casse, quoi, j'en ai marre. Dans le QG, on va prendre un peu de fric au QG. Oh, on a les mecs qui sont arrivés. Hein. Ah, mais arrête. Arrête, tu vois bien que t'as trop donné. Et voilà, là, la bourse est bien pleine. On voit pas un seul cristal dépasser. Ah, ça y est. Enfin. Donc, c'est les chevaliers de droite qu'on va envoyer hein, dans le bateau. C'était ça le deal. Là, il est tourné vers la gauche. C'est pour ça que ça m'inquiète. Mais il va vers la gauche. Il est con ce bateau. Ah non, il se met peut-être dans les terres. Attendez, il va peut-être se tourner. Non, il se tourne pas. Oh, on va attendre la vague de nuit. Non, on s'en fout là. On y va quoi. On n'a pas trop de fric en revanche. Hein. On n'a même pas du tout de fric. Donc ça c'est une erreur stratégique. Il faut partir avec un peu de fric. Faut pas faire la connerie parce que j'y on va rouler sur la première île. Mais sauf que là j'ai envoyé tous mes archers dans dans le bateau. Donc la nuit là ils vont subir quoi. Non mais ils vont tenir les mecs. C'est des pros. Je vais pas reprendre du fric chez papy quand même. Allez on s'en fout. Allez Dan. Dan, j'ai envie de me barrer. Ah, c'est dommage toutes ces pièces qui tombent, mais bon. Alors, on m'a suggéré dans les commentaires de... Alors là, je l'ai pas fait, hein, comme un con, mais... ça m'aurait demandé beaucoup plus d'argent et un peu plus de temps. Mais, en gros, de créer... le truc pour les... Pour faire un chevalier de plus. Et pour me dire, hop, j'embarque 4 chevaliers dans le bateau. Alors, je crois que c'est possible, mais j'ai un doute. Mais on testera. On va tester sur la prochaine île, là, de toute façon. Donc là, on a débloqué cette 5e île, mais on n'en veut pas de cette 5e île. Nous, on va là. Parce que la 5e île, faut y aller, mais... voilà, avec des appuis, quoi. Alors, bonjour, messieurs. Ah le fric. Ah une pièce sec qui vole déjà quoi. J'avais espéré que ça tombe au sol ça. On a un camp de recrue juste à côté. Ah ouais on en avait 2. Ah non non. Si on en a 2. Ici c'était le délire. On s'était étendu complètement à droite. Rappelez-vous. Alors en revanche ils sont où mes travailleurs quoi. Et à gauche ils ont quoi chasser hein. Logiquement ils ont quoi chasser. Ils vont se faire du fric là. Voilà, ça déroule déjà quoi. En revanche, la petite musique qu'on entend, cette petite musique angoissante, normalement c'est le signe. Ouais, je veux des travailleurs. C'est le signe qu'on va avoir une pleine lune ensanglantée. Ils sont pas un peu cons. C'est le premier jour. C'est pour me faire flipper un peu. Ah non, on avait laissé du fric à la maison. Aucun souvenir de ça, mais c'est parfait. Allez, des archers. Avant que mon fric se perde. Et là, on veut des travailleurs. Attendez, c'est le début de la journée. Vas-y, fais-moi un muret. Ah, mais il y a des travailleurs qui glandouillent, bougez pas. Mais c'est pas fini, là. Allez, là. Eh bien, vous avez entendu le rôde démon. Le rôde démon, pardon. Je sais même plus le dire, tellement ça m'a... Encore un petit archer, du coup. On avait des sbires, là. C'est bien, c'est pratique d'avoir déjà des sbires à la maison. C'est un peu de nos troupes restantes, hein, celles qui ont résisté à l'envahisseur. On a une ferme potentielle à gauche, là, j'ai vu. Là, on va se faire plaisir, on va faire une ferme et tout, on va tout faire, quoi. Bon.
On a des défenses pas trop mal, on a envie de dire. Attendez, j'ai encore des glandeurs là. Pour une première vague d'ennemis. C'est marrant ce road démo en pleine journée là. Mais viens toi, qu'est-ce que tu fous là? Ah putain, mais ils sont là. Faut qu'ils smile le train. Merde, je l'ai pris en me disant voilà, je vais le redéposer, mais je peux pas le redéposer. Quelle arnaque! Descends! Du sang. Eh, bien joué! Viens toi. T'es bien plus important que n'importe quel sbire. Ouais, reprenez le fric là, parce que lui il s'est emballé, il m'a vu à côté danser la gigue. Eh, descends! Putain, mais ça marche! Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, le fait que je dandine avec mon cerf. Enfin, le dieu cerf, pardon. Faut pas se moquer de ça. Bon, là, la bourse est bien, mais on a trop de cristaux. Il faut qu'on aille les dépenser. On va déjà voir cette vague de nuit là. Ouais! Ce serait pas un peu violent? Mon mur il va jamais tenir là. Allez-y les mecs, mais sortez-vous les doigts du fion. Tuez-moi ces démons. Putain des pièces. Ils vont passer. Je veux pas qu'ils tuent mes mecs, je préfère qu'ils prennent des pièces. Nom de Dieu. Eh ouais, mais c'était une attaque Mais direct, un premier jour, hein, ils ont pas le temps. Mais non, mais c'est... Mais dégagez, c'est pas vous que je veux... Putain, les pièces dépensées à rien, là. Refaites-moi murer tout de suite. On a pas le temps, là. Tiens, toi, prends une pièce, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi? Rentrez à la maison. Merde! On a un volant, les mecs! Finis ton muret, dépêche-toi! Mais tu vas le finir, ton putain de muret, il s'est barré. Il a vu le volant, il s'est barré. Mais défoncez-le! Toi, la tourelle, là, vas-y! Mets-lui une flèche dans le cul! Il a embarqué quelqu'un! Bon, désolé, hein. On en a encore un, merde! Ouais, finis le mur et que tout le monde avance, là. Voilà, ils vont se mettre en groupe. Mais quelle angoisse! Mais non, c'est pas toi, c'était lui, là. Je veux lui donner une pièce pour qu'il me ramène du fric. Putain, mais c'est pas possible, ils sont tous les uns sur les autres. Défoncez-moi ce démon! Mais vous êtes vraiment des incapables! Bien joué, bien joué. Ok, ok, autant pour moi. Mais il faut les insulter un peu. Voilà, reprends un arc, toi, et vas-y, bats-toi! Bats-toi jusqu'à la mort! Mais défoncez-le! Putain, les pièces qui volent. Ouais, bien joué, bien joué. Ok, prends ta pièce, toi. Bon, faites-moi du fric, vite! Toi! Il est où le... Ah ben il y a du fric, plein la maison. Parfait. Je voudrais mettre une pièce dans lui, mais... C'est toi? Ok, c'est lui. Pas de panique. Eh, venez, venez, parce qu'on n'est pas assez nombreux. On a 4 travailleurs au milieu. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore lui qui me rince, ok. Merde, je voulais pas te prendre, toi, mais fais chier. Dégage! Putain, ça marche! Ça marche, c'est parfait. Je savais pas comment les virer avant. J'ai envie de construire ce muret là, mais c'est mi-journée là, faut pas déconner. On va en faire un, et après on va faire celui-ci peut-être, et avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, mais c'est bon, on va pouvoir avancer, on va faire ça. Ça, on va se libérer une ferme, et on va se faire plaisir, quoi. On va se faire plaisir. Y a pas de... J'ai pas vu de tourelle en revanche, je sais pas, fais gaffe s'il y avait une tourelle ou pas. Oh les cons quoi. Voilà, ça devrait être une vague plus cool. J'espère. Alors bien sûr, hein, vous avez vu, c'est-à-dire que... Non mais reprends toi, j'ai pas besoin de tes pièces pour l'instant. On a ramené trois samouraïs. Les trois samouraïs donc, et deux d'un côté... Et un de l'autre, forcément, ils se sont répartis comme ils pouvaient, les mecs. Et les deux sont allés à droite, et un à gauche, et bien sûr, on s'est fait attaquer par la gauche. Parce qu'on aurait eu deux chevaliers à gauche, deux samouraïs à gauche, avec les troupes d'élite, d'archers. Ça se passait bien mieux.
Bon, là, on a rajouté des troupes normalement, non? Pas mal d'archers quand même, je pense. Non, ouais, mais ça rentre. Elle rentre, je te dis. Voilà. On pourrait faire ça. Est-ce que ça va pas modifier la topographie de notre champ de bataille? Comment ça se passe cette nuit? Lui il revient paisible avec ses provisions, c'est quoi? Mais d'où vous sortez tout ce fric? Fais se faire bouffer le cul quand même, lui, hein, tranquille. Agis, c'est une vague plus tranquille, mais attention, vous avez vu, hein. C'est quand même nombreux ces fumiers. Hein. Ok. Bon, ça tient, ça tient. Allez, faites-moi ça. Dépense un peu de fric. Voilà, ça... Ah non, ça change juste les tourelles. C'est bien, ça améliore les tourelles, j'ai pas besoin de le faire. Viens, rejoins les rangs. Vous aussi, vous aussi. Non mais tiens, je t'ai mis une petite pièce. Derrière toi, tu l'as pas vu, mais... Le bateau est loin quand même. Mais c'est vrai qu'on a... C'est pour ça que je m'étais avancé aussi loin. Parce que j'avais voulu libérer le bateau et on avait ce point-là hein, qui était pas mal. Mais on avait avancé, on avait fait notre muraille ici. Rappelez-vous, hein. Il y a moult épisodes. Ah. Dieu sert, ce fut fort sympathique. On a fait vraiment une belle traversée ensemble. Un beau chemin. Mais tu ne pourras rivaliser contre ce griffon magnifique. Mais reviens, fumier! Et c'est bon, on a assez. Regardez cette bête belle. Cette belle bête, pardon. Je sais même plus parler. Majestueuse. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Des démons? Alors attention, les démons, regardez bien. Hop. Et ouais, bande de branquignoles. Et ouais, parce que là, attention, hein, cette magnifique bête. Bon, elle a une cadence d'allure vraiment pas dégueulasse. Elle avance bien, mais moins en forêt. Mais on s'en fout parce que finalement, on déblaye les forêts. Donc on n'en laisse pas beaucoup. On laisse beaucoup plus de parterres non viables. Non viables pour la nature. Et donc vous avez vu son coup d'aile qui peut repousser les démons. Donc quand ils sont aux murailles, comme ça, on se met derrière le muraille, on leur met des coups d'aile dans la gueule. Comme ça, ils sont pas en train de bourriner notre mur. Parfait, hein, parfait cette créature. Et attention, je m'arrête et paf. J'en avais parlé au précédent épisode. Le griffon, il s'arrête et tac, il bouffe un peu où il veut. Bon, là, j'ai fait dans l'herbe, bon, là, il n'y a plus faim. Mais vous comprenez le délire, quoi. Bon, ça c'est pas mal ce que t'as fait toi. Il se casse parce qu'il y a trop de trucs ici, il se dit faut que j'aille ailleurs. Hop, vous avez vu? Dans la terre, hein, directement. Pas d'embrouille hein, avec le griffon. Et quelle belle bête hein. Mais c'est marrant parce que voilà, j'en avais parlé en mode chevalier. Ce griffon est différent, il est tout blanc. Bah, blanc bleuté, magnifique aussi. Hein, mais là, noir-rouge comme ça, ça a de la gueule. Hein. Ça fait ressortir ses cornes. Et son bec, c'est bien. Pourquoi on a des glandus là? Mais on a plein de glandus, mais allez! Trouvez-vous un métier! Ok, très bien. Bon, on n'a pas renforcé en revanche. Hein. On rigole. Il me faut du fric, les mecs. Là, il faut clairement qu'on renforce les défenses ici. Comme ça, on est sûr que même si ça passe, bah, ça tient après. Oh, mais toi, tu es un champion, mon gars! Mais regardez ce pas chaloupé. Attention, des démons! Ah j'adore. Et voilà, alors bon, j'avais pas essayé avec le croco, le croco cracheur de flammes, d'essayer un bouton spécifique, mais c'est à dire que quand il y a un bouton pour courir, ou alors sinon on appuie deux fois en avant et on laisse enfoncer, voilà ça court, c'est comme ça que je fais. Et mais sauf qu'avec le cracheur de feu, quand on appuie deux fois en avant et qu'on laisse enfoncer, bah, c'est le moment où il crache ses flammes justement. Et du fait, c'est chiant parce qu'on a envie de courir et moi j'ai l'habitude de faire comme ça et du coup il crache des flammes. Mais j'imagine qu'il y a un bouton exprès hein, pour... Pourquoi je fais ça? C'est pas ça qu'il faut faire du tout. Ça fight encore à droite. Hein. Ils ont fini apparemment. Ils en ont fini. Ouais, il y a bien un ou deux... Il y a une piécette pour moi là. Donc ça c'est fait.
C'est pas le plus haut qu'on peut faire ça, je pense pas. Non, non, on peut encore faire au-dessus. Parce que si on fait au-dessus, nos défenses ici s'améliorent tout de suite en défense bronze. Donc on va peut-être faire ça, du coup on va peut-être attendre, essayer d'économiser. Parce qu'il nous faudra un peu plus d'argent, mais encore que... Putain, on a tout pris, hein. On a tout pris dans la maison là, on a tout pillé. Mais c'était pour ça qu'on avait stocké du fric là. Pour un éventuel hiver, mais surtout quand on arrive quoi. Pour se développer tout de suite. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous avez vu hein, la vague première nuit. Quelle connerie. Donne ton fric toi, je suis là, regarde. Mange un truc. Bon, ça a l'air de lui bouffer de l'endurance hein, quand même de mettre des coups d'aile. Vous voyez direct, hein, il en bouffe deux souris ou deux mulots, je ne sais quoi. Il veut pas donner son fric, lui, c'est un peu chiant. Alors, on avait les archers aussi. Alors, du coup, les archers, c'est à gauche. On peut y aller, on a le fric. Et comme ça, on va utiliser nos cristaux. Comme ça, on va pouvoir remplir la bourse correctement. Bah, du coup, dans la forêt, ouais, c'est moins glamour. Mais bon. Magnifique bête, hein. Voilà, et là nos archers, attention. Hein. Le dieu de l'arc. Pourquoi je m'arrête là? Je m'arrête en fait au point d'herbe en me disant vas-y mange, mais faut arrêter tout ça. Mais là, voilà, je ne sais pas comment s'appelle le dieu de l'arc. L'archer, hein, le dieu archer. Mais voilà, il est là quoi. Il est là et. Et les archers, je sais pas, se sentent pousser des ailes. Ils vont mieux viser. Alors je sais pas. En quel terme, hein, c'est comme tout, hein, c'est-à-dire... Bon, les travailleurs, quand on booste la statue des travailleurs, on voit, ils mettent un petit coup de l'azur sur les murets, on comprend que le muret est plus résistant. Là, jusque-là, tout va bien. Mais est-ce que ça, les archers, ça augmente leur précision ou leur puissance? Vous voyez le délire? Et pareil pour les fermes. Parce qu'on a une statue pour les fermes, je sais plus si je l'avais pris, je crois que si, hein, ça coûtait que dalle, je l'avais fait. Hein. Tu veux pas me donner ton fric, toi? Non, non, il veut pas. Et les fermes, pareil, est-ce que ça fait pousser plus vite? Ou est-ce qu'on gagne plus d'argent avec? Vous voyez le délire? tout est flou. On refait un peu d'arc, parce que je sais pas s'il n'y a pas des mecs qui glandouillent. Non, ça va. Mais mets un marteau quand même. On va demander que ça travaille après. On a bien un mec là, ouais. Il y en a même deux. Allez, venez. Mange un truc toi. Bon, c'est vrai qu'ils ont pas tellement de quoi chasser à droite, hein. C'est un vrai problème. Mais le portail de finale est à droite, mais bon. Alors on peut peut-être faire ça pour la prochaine nuit. Non, non, il faut augmenter ici. J'ai dit, faut pas déconner, il faut jouer prudence, hein, parce qu'on a tendance à se dire, allez, c'est bon, on y va. Et là, mes murailles, c'est de la merde. Mais pour éviter de claquer trop de fric là-dedans, j'aurais vraiment essayé d'optimiser ça. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Voilà, ça vient d'où? À droite, on en a. À gauche aussi, hein, vous voyez, des deux côtés. Hein, la double. En voyant à droite comment ils s'en sortent. Parce que tout à l'heure, ils étaient un peu lents. Ah non, mais maintenant, attention. Archer de compète. Paf, paf, paf. J'ai l'impression... Alors, peut-être que c'est les deux. Je disais, est-ce qu'ils sont plus précis, est-ce qu'ils sont plus puissants? Peut-être qu'ils sont plus précis et plus puissants. Parce qu'on peut voir que les tirs de flèches, déjà, sont plus précis. Ils sont plus regroupés. Comparé à avant où c'était un peu n'importe quoi, les mecs ils savaient pas trop quoi. Déjà ils réussissaient à tirer des flèches, c'est déjà pas mal. On est content. Mais clairement. Mais regardez, voilà, vous avez vu hein, tout ce tir groupé. Non, je pense qu'ils sont bien plus précis. Est-ce qu'ils sont plus puissants? Mais du fait, ils sont plus puissants. Mais comprenez, voilà, vous avez bien compris ce que je voulais dire quoi. Donc, la maison. On a assez. Ouais, là, les travailleurs, ils vont nous faire des murets direct grands. Et là, on est bon. Là, on est bon, on peut s'avancer. Bon, alors, pas tout de suite pour la prochaine nuit. Hein. Malheureusement, à chaque fois, il faut attendre une journée. Parce que là, on leur demande quand même deux murets de chaque côté. Si on leur demande de travailler ailleurs, ils vont pas, ils vont plus savoir où donner de la tête, ces fameux travailleurs. En revanche, on peut aller recruter des mecs à droite. Parce qu'on a un deuxième camp juste derrière. Faut penser à ça, hein, parce que les vagues sont quand même assez sévères. Il y en a un autre là.
Il vient de où, lui? C'est de nouveau ce camp? Bizarre. Non, il y en a deux, là. Peut-être un ancien qui a pas réussi à revenir. Non, mais vous, à droite, vous inquiétez pas, on pense à vous. Tiens, retourne, va faire du fric, toi. Bon, une toile misérable, là, c'est pas terrible, hein, mais pour l'instant, on va rester là-dessus. On avait dit peut-être qu'on avancerait, au moins jusque-là. Et pour commencer. Pour commencer, on va attaquer à gauche. Déjà le fermier. Ça, c'est une première étape. Il pourrait ramener plus de fric à gauche quand même. Bon, c'est bien, j'ai rien dit. C'est un peu limite quand même, parce que là, vous êtes quoi? Quoique, pas tant que ça. Alors attention quand on va se développer. Hein. Donc là, je vais pas me développer plus. Je voulais aller prendre la ferme. C'est pas ce qu'on va faire. Non, mais non, surtout pas. Surtout pas envoyer une troupe maintenant. Ah, ils arrivent pendant la nuit, ils vont se faire massacrer, les mecs. On reste comme ça sur le statu quo. J'aurais aimé faire la muraille un peu plus haute, mais j'ai peur qu'ils y arrivent pas avant la nuit et tout serait un échec. Le mec, il dit faut pas se presser et il fait des murets n'importe comment. C'est vrai qu'en plus on a lui hein, qui nous ramène du fric là. Tous les jours ou tous les deux jours quoi. Bon vous on vous surveille parce que à gauche c'est bon, ils ont un grand muret, ça va jamais passer. Mais ici. De toute façon ça passera pas non plus hein. Maintenant les archers, attention. Ils rigolent plus les archers. Vous voyez c'est toutes ces flèches bien droites là. Avant ça partait dans tous les sens, on comprenait pas bien. Et là c'est propre hein. Ah mais ils en ont fait... Ils ont rigolé avec. Je fais le mur un peu plus grand à gauche, mais là on va partir à droite. Attention, ça va être tendu. C'est le moment où on va peut-être chier mou. Ah, il me faut le fric aussi là, papy. Mais il me faut le fric. Il attend la journée. Hein. Là il dort dans son casque, là, on sait pas. Merci, allez. Faut y aller. J'espère que je ne vais pas regretter d'avoir donné cette petite pièce. Ouais, toi aussi. Alors déjà, je demande... Ah, voilà, trois... Faites-moi trois arbres, alors pourquoi? Certains diraient pourquoi. Là on veut que ça chasse à droite hein. Regardez j'amène de la biche alors attention hein. Ah mais merde la biche. Vous avez vu, elle s'est retournée direct. Oh putain, elle s'en fout. On pourrait être bouffé en deux hein. Enfin couper en deux et te bouffer du coup. Vous avez compris ma logique. Ah là, du coup, on n'a pas de travailleurs. Si, si, là, les trois là bon, vont là-bas. Lui, il va peut-être couper un peu d'arbres. Non, il va aussi. Ouais, je les ai fait couper les arbres. Là, c'est pour les avancer tout de suite, hein, pour qu'ils courent. Si on est quand même milieu de journée, là, les troupes vont devoir bien avancer. Ça va peut-être être tendu. On n'est pas si loin, mais quand même, quoi. En revanche, il faut un muret à peu près solide. Une petite tourelle, bon, ça fera l'affaire, on va dire, hein, pour l'instant. Pas assez de fric pour l'améliorer, ça c'est triste parce qu'on aurait peut-être pu. Les archers ils en sont où là?
Parce que là, on a une biche qui est là. Ah mais attendez, il y a les travailleurs qui sont là. Ils ont 2-3 piécettes pour moi. C'est pas énorme, hein, mais... Ça va peut-être suffire. Est-ce qu'ils ont... Ah ouais, mais est-ce qu'ils ont le temps de faire ça? Pas sûr. On va peut-être pas leur demander, du coup. Ah lui, c'est celui qui a la tourelle. Il s'est mis à courir tout de suite. Putain, il y a du fric. Il venait de la gauche, peut-être, lui. Où mes troupes d'élite là? Putain, mais ils sont où? Ils prennent leur temps, les mecs, hein, ils sont juste là quoi. Encore un paquet de forêt à. Ils vont courir normalement la nuit tombée, non? J'espère. Sinon, l'archer tout seul, il va pas être bien là. C'est déjà là en plus. Putain, le mec. Hé! Je me suis fait bouffer le cul. Merde, mais ils vont pas y arriver. Putain, mais bande de feignasses. Bah ouais, mais vous arrivez beaucoup trop tard. Lui, il est tout seul là. Il fait du bon boulot aux archers. Mais oh putain, je vais perdre tous mes travailleurs. Et eux, ils vont faire demi-tour direct dès qu'ils vont attaquer le mur. Ouais, les archers sont bien, mais ils sont un peu cons. Pas mal. Alors là, franchement, j'en attendais pas autant de votre part. Ils font direct demi-tour, hein. Ils ont peur, hein, c'est con. Mais vous laissez le mec à la tourelle tout seul, vous vous rendez compte ou pas? Ils s'en tapent. Hein. Ils sont où mes travailleurs? Ah ben c'est bon, en voilà un autre. On n'avait pas une catapulte, un truc? Attendez, vous avez pas du fric? Si, on va l'améliorer tout de suite, cette... On a bien fait de pas faire tout de suite la deuxième tourelle. Parce que là, c'était mort. Ok, ok, non mais c'est bien ce que tu fais. Ah ouais, tu t'es fait piquer la pièce par ton pote. Ça, si t'es pas assez vif. Mais ils sont déjà là. Alors en revanche, pour rentrer, ah ouais, ça a été, hein. Mais t'as les mecs, quoi, ils ont le temps de rentrer, quoi. On n'a pas d'arc. Et on a une ferme potentielle. Donc on va pas recruter tout de suite les mecs. Voilà, faites-moi un mur et un vrai, quoi. Ici. Allez, bande de sbires. C'est bien. C'est très bien ce que vous faites. Ah. Deux pièces qui traînent. Ok, ça me va. Et ça prend son temps. Hein. Vous avez pas vu ce qui s'est passé cette nuit là? À cause de vos conneries de fainéantise, ah ils ont bien tué le cerf tout de même. Rien à dire de ce côté-là. Oh c'est bien ce que vous avez fait les mecs. Mais encore mieux. Faites mieux. Vous avez le temps. Hein. Rassurez-moi, vous avez le temps. Voilà, ça va commencer à chasser. Ça va commencer à parler. Vous voyez, hein, là il y a de quoi faire. Hein. Belle bête. Mais un peu petite tout de même, hein. Ce cerf, il est petit. Allez, on vous regarde. Bon, en revanche, ça manque de catapultes, hein, tout ça. S'ils auraient une catapulte de chaque côté, on se sentirait bien mieux. Et là, étonnamment, elle s'est pas construite ici. Pourtant, on a de la place, mais on a fait qu'un seul muret. Ça, mon problème, je crois. Faudrait peut-être en faire un à gauche, là-bas. Alors, attention. Hein. Bon, ça, c'est fait, c'est bon, quoi. Ça... On n'en parle plus, ils sont peinards, quoi. Alors si, il faudrait booster cette tourelle-là. Ce qu'on va faire. Hein. Ce qu'on va faire, mais pas tout de suite. Là, c'est bon, hein. Sereinement, je m'en vais. Ils vont tenir cette vague.
Et là, je fais un muret. Attention. Hein. Il y a bien un truc qui va se construire là quand même. Non mais voilà, si vous faites un muret, faites-en un bien quoi. C'est vrai que j'aurais pu utiliser mon coup d'aile tout à l'heure. J'ai pas pensé, c'était le meilleur moment. Ah le con! J'en parle, hein. Je fais le lendemain en disant, ah, s'il y a les mecs et tout. Et là putain, c'était le moment, mais la panique! La panique! Ah ouais, parce que là c'était parfait, là, pendant que mes troupes arrivaient, je les repoussais, comme ça ils défonçaient pas le mur. J'ai quand même été bien con, hein, j'imagine. Maintenant j'y pense, hein, des viettes là. Mais putain, utilise! Tu viens de l'avoir là, ton griffon, tu fais le malin, mais vas-y! Ah ouais. Il est con. Personne qui a du fric là? Si, à toi forcément. Alors pourquoi je le fais super grand ce muret, je vous savez, hein. Bah, mon problème de symétrie. À droite comme à gauche, ça doit être des beaux murets. Hein. Belle muraille. Bon, là il n'y a rien qui s'est construit. Hein. Espérons qu'à droite il s'est passé un truc. Rentre à la maison. Voilà, ces deux camps là, côte à côte, c'est parfait hein, quand même. Hein. Là, niveau recrue, on est peinard. Il y a rien qui s'est construit, hein. Je suis un peu deg. On n'a même pas... faites-moi cette tourelle-là, quoi. Vous avez ramené un peu de fric, vous, vous glandez, là. Ah, c'est pas si mal. On pourrait faire ce muret. Est-ce que ça aurait du sens? Ah, ça pourrait avoir du sens. Toujours hein, dans mon optique de d'avoir une catapulte. Parce que là le problème c'est qu'elle est où ma catapulte. Ce qui étant donné que le portail de droite c'est le dernier, quand on va attaquer le portail de gauche le dernier, forcément c'est d'à droite ça va venir. Hein. Et là il faut qu'on soit un petit peu couillu quoi, qu'on ait une puissance de feu. Un Jean-Louis quoi. Qu'on ait un Jean-Louis à la catapulte. Ah, s'il n'y a pas de catapulte. Bon, alors, on pourrait faire ce muret-là et ce muret-là. Disons, pour dire, espérer avoir une fortification, un truc. Bah, une amélioration. Mais ce muret est bien, parce qu'il y a une tourelle juste devant, quoi. Maintenant, ils sont deux. Il se fait moins chier, le mec. Bon, à droite, ça va tenir, hein, de toute façon. Pour l'instant, on va laisser en stand-by comme ça. Ça va être bien. Ils sont taqués. Si, si, on a un clodo. Viens. Ouais, mais ça pue le fric, là. J'ai senti tout de suite. Ouais, la maison est à fond, hein. Ah mais qu'est-ce que c'est? Non mais arrêtez. Non, 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 surtout pas. Merde. Alors attention, hein. J'ai trop de fric. Alors le mec il fait défaut. 4. Et 4 pour commencer, ça sera un bon début. Un petit travailleur. Et non, pas toi. Petit travailleur et des archers. On n'a jamais trop d'archers. Ok, maintenant vous pouvez me rincer d'or. Ils sont où? Elle est où mon or? Oui! Je me douche de ces pièces. Alors c'est bon ici, la vague est passée. Allez, venez. Venez, on avance. Alors c'est ici. Alors attention, parce que du coup, plus rien à chasser pour eux. Il va falloir déblayer tout ça.
qui lui prend. Alors voilà, j'en parlais. Hein. Des fois, voilà. Des fois, il s'énerve un peu le griffon et je voulais juste avancer un petit peu et du coup, je fais un coup de croix et je sais pas quoi et bref. Et du coup, il s'emballe le griffon. Et il utilise toute son endurance, quoi. Voilà, faut qu'il mange, quoi. Vous voyez, je vous demande beaucoup d'arbres, hein. J'avoue que là, c'est une belle forêt, je vous demande de déblayer, là. Mais on a des travailleurs, hein, logiquement. Ça va bien se passer. En revanche, faut faire ce muret. Ce sera bien. Ah non, mais vraiment, faut faire le muret, là. Toi? Vous deux, là. Muret. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Mais il se fout de ma gueule? Il met un coup de marteau, il se barre? Il se fout de ma gueule? Viens ici tout de suite. Viens ici tout de suite. Possible de voir ça. Ouais, non, mais il est temps, quoi. Allez, faites-moi un truc. Faites-moi un vrai truc, comme c'est là. Bon, c'est pas mal, ça. C'est pas mal ce que vous avez fait. On déblayera la forêt le lendemain, je pense. On fera ça, là. On va se concentrer sur les constructions. Ah, est-ce qu'on a... On a un truc qui s'est développé, là. Une catapulte, quelque chose, quoi. Et merde, pourquoi on a rien? Ça va venir. Je m'inquiète, mais ça va venir. Faites-moi une ça aussi, parce que du coup, on peut faire une... Ah merde! Ils se barrent, les cons. Ça va, on a, tous les travailleurs sont là, quoi. Ils sont pas loin. Faites une ferme, parce que là, c'était le but aussi, hein, d'avancer comme ça et de mettre 4 fermiers. Et mieux. Ça aussi, mieux. Obéissez, bande de sbires. Ah, parce que je commence à être frustré, là. Elles sont mes catapultes, tout, quoi. On a une ferme. Déjà, belle ferme. Magnifique ferme. On espère que les mecs vont se bouger un peu le fion. Ici même, ça se finit, hein. Ça se finit, ils vont... Ah, ils font pas de fric, du coup, là. Bon, il y a un peu de fric qui reste. Il reste un peu de fric dans leur poche, mais... Ils vont en faire, ils vont en faire. Faut pas s'inquiéter. Je suis étonné qu'on ait pas de construction supplémentaire, là. Normalement, on a ça. Il faudra avancer encore. Ça fait un peu chier, non? Ah, mais il y a encore deux murs à faire ici. Ah, mais celui-là est bien. Celui-là est bien parce qu'il y a une tourelle juste devant. On va peut-être faire celui-là. Et bon, j'en ai parlé, c'est surtout à droite que je veux une catapulte. Et là, à droite, oui, si, on pourra s'avancer encore, quoi. Mais alors, du coup, je suis un peu déçu, parce que je pensais vraiment au moins niquer un portail, là, pour cet épisode, et on l'a pas fait, quoi. Et la pièce, les mecs, mais la pièce, enfin. Fallait viser celui qui a la pièce. Ah, ils se font démonter, les démons. Ah, ils aiment pas bien ça, là. Allez, faites-moi ça. On n'a pas de portail là juste derrière, tout se passe bien. On peut déblayer tout ça. Ils me font le muret ou pas? Il me faut, encore une fois. Hein. Il n'y en a pas un qui s'arrête sur le muret, si ça va. Ouais, il me faut un peu du fric, les mecs, là, merci bien. Allez. Ils font du bon boulot. Rien à dire. Le portail est là. On a toujours pas de portail, mais on peut dégager cette forêt. Ah, mais on peut pas encore. je m'emballe. On peut pas encore. Oh. Belle flèche entre les deux yeux. Rien à dire. Bon, faites-moi un... Pourquoi c'est pas fini là les mecs? Vraiment hein C'est vrai que je vous en demande beaucoup à la fois, je conçois. Tout de même quoi, c'est dégueulasse là, ça ressemble pas à un camp ça. Et paf, muret. Beau muret, magnifique.
Belle construction. Il y a 10 fois la place ici pour me faire un temple, un truc, un temple de catapulte. Bon, ils font des fermes, vous voyez là, ils commencent déjà à 4, 3 fermes là déjà dispo. Le quatrième Roi, j'en avais parlé, hein. Ils prennent un peu leur temps, les... Les fermiers, ils sont sans stress. Sans stress, hein. C'est le terme. Alors, on pourrait faire cette tourelle. Allez, on s'amuse. En revanche, il me faut un peu de fric, moi j'ai un peu déconné. Parce que là, ils ramènent rien du coup. À droite, ils doivent avoir du fric. Il est sur sa petite tourelle, lui, non mais. Monte plus haut. Ah, c'est que ce muret-là, je pensais que c'était le final, moi. Bon, ça ira, ça ira. Et là, 3 fermes d'un côté et une de l'autre. Alors, allez comprendre. J'ai envie de faire ce muret en me disant, ils vont peut-être comprendre. On a encore des glandeurs, c'est hallucinant. Bah, toi, vite, donne ton fric. Ouais, un petit fermier supplémentaire. Ouais, il en reste un. Il va aller chercher sa faux. Oh là 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 là, ces archers. Hein. C'est devenu des démons, les mecs. Des démons de la flèche, quoi. Vous comprenez bien. Ah oui! Oui, c'est ici! C'est ici le fric! Mais oui, non, mais c'est bon! Arrêtez! Non, mais on a bien rigolé, mais arrêtez! Du coup, mais non, mais bien trop! Bien trop! Mais tiens, toi, prends ta pièce du coup. Tu vois pas, il y a une montagne de fric à côté de toi, mais non, tu vois rien, toi. Pas foutu de prendre une pièce, quoi. Tiens, il y en a un là. Je t'ai vu, derrière les fourrés. Toi, tu peux repartir tout de suite ou pas? Non, je peux pas lui donner une pièce. Bon, bah, faites des. Alors, non, on va faire un. Un chevalier ici. Un chevalier. Un samouraï à droite et un samouraï à gauche. Allez, on a fait pas mal d'archers. La ferme se passe bien, ça y est, c'est bien développé. C'est fini la vague? C'est fou hein, que je dois me développer autant. J'ai même pas une catapulte, rien. Bon bah on verra ça pour le prochain épisode. Hein. Mais de toute façon, est-ce qu'on a un petit portail avant ou en pierre ou c'est directement le final? Il n'y a rien, il n'y a pas de portail, il n'y a que dalle. Encore un camp de mendiants, mais il y en a combien? Qu'est-ce que c'est ça? Ah la baliste! Ah bah on a plus de... Ah si, on a assez ou pas? Ah si, attendez. J'ai assez, bah viens. Ouais, ouais, pour rigoler, on rigolera avec toi. C'est 4. Ah non, donc il y a bien un seul portail. Et c'est celui du fond. Donc limite la catapulte à gauche, on s'en bat les couilles. C'est à droite qu'il nous faut une catapulte. Parce que dès qu'on a attaqué à gauche, voilà, on va avoir la contre-attaque d'à droite. En revanche, on fait bien de s'avancer parce que c'est loin. Le portail est très loin. Et ça, vous connaissez le délire, hein. C'est-à-dire plus il est loin, plus nos troupes vont mettre du temps et du fait se faire peut-être que voilà, se faire intercepter par une troupe de démons sortant du portail démonique. Donc à voir. On avancera certainement encore du coup. Mais on n'a pas besoin de faire de tourelles. Du fait, on... Parce que ces tourelles-là sont bien, c'est pas mal. Mais elles sont vraiment là pour les contre-attaques. Et c'est pour ça qu'à droite, il faudra vraiment l'améliorer. Hein, là. Voilà, les fermes là, ça va... Il n'y a qu'une ferme, mais attention. Hein. Il optimise. Alors, je vais refaire un fermier. À un moment, on va plus savoir quoi de foutre de notre fric. Le bateau, il va être fait en 2-2. En plus, ici, le bateau, il n'y a pas de fric à mettre dedans, c'est ça le pire.
Je vous avais dit, on va leur rouler dessus, hein. On va leur rouler dessus à ces démons parce que là, ils sont pas conscients de ce qui va leur arriver dans le nez. Ah, je pourrais me dire, je mets le fric, mais non, mais surtout pas. Ils sont capables de faire des conneries. Voilà, c'est ici. C'est ici le fric, on s'en rappelle. Donc là, cette tourelle-là, on va la quadrupler, quintupler, ce que vous voulez. Mais il faudra avancer encore les murailles. Mais on va quand même la faire à fond, cette tourelle. Ou quoi que, je sais pas. On verra tout ça pour le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vais vous laisser ici avant... Ah mais non, mais l'attaque de démon est passée déjà. Donc c'est tout. Mais non, attendez. Ah non, mais c'est la nuit. Non, mais on se laisse là avant l'attaque de démon. J'ai peur qu'on meure. Allez, bisous sur ce. À bientôt. Salut.